Alexandre Mars est beau, riche, intelligent et passe son temps entre New York et Paris. Comment ça va, vous ? Sa vie est donc pas trop pourrie. Et en plus de ça, il est généreux et hyper détente. J'ai remarqué que vous tutoyez tout le monde, Alexandre Mars. Ouais. Oui, Sandrine, je tutoie tout le monde, ouais. Bah, c'est comme ça que je suis, tu vois. J'essaie pas de... C'est que la première chose importante, c'est d'être vraiment qui tu es. Donc c'est ce que j'essaye de demander. Et vraiment tout le monde, t'as raison. Le quotidien d'Alexandre ralliait le plus de monde possible à sa cause. Ce matin, il rencontre les étudiants d'une école de commerce. Chaque personne peut donner quelque chose. Et après, soit ça peut être tes compétences, soit ça peut être 1% de ton revenu, soit ça peut être 1% de ton action. Ce qu'on veut dire là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, ça doit être partout. C'est le monde dans lequel on rentre, un monde qui doit être hyper social. Alexandre a créé EPIC, une structure qui se consacre aux autres et plus précisément aux jeunes de 0 à 25 ans nés du mauvais côté de la barrière. EPIC permet aux donateurs de tracer leurs dons et sélectionne pour eux des associations de confiance. Il y a une génération entière qui veut faire plus. Donc, et qu'elle soit américaine, française, anglaise ou thaïlandaise, elle se dit que ce qu'elle voit aujourd'hui au quotidien ne lui convient pas. Et que ce qui est génial, c'est qu'elle veut essayer de changer ça. Elle veut essayer de courber un petit peu dans la direction où on va le monde. C'est hyper positif. Et voilà ce que fait EPIC. On apporte des solutions pour que ça devienne ça une réalité. EPIC est une start-up philanthropique. Elle n'a pas de but lucratif. Alexandre y consacre la majorité de son temps. En parallèle, il investit dans des start-up comme Blablacar, Spotify et Pinterest. Ce que je gagne à travers mes investissements me permettent de financer EPIC. D'accord. Tu te souviens qu'EPIC est à aucun modèle économique puisque c'est moi qui finance totalement toute la structure. Donc si demain, toi ou toute personne qui regarde l'émission dit « c'est génial, j'ai envie de donner 1 euro, 50 cents d'euros ou 1 million d'euros », 100% de ta donation ou de ces donations iront aux organisations. Parce que nous, en fait, je finance totalement tous les frais de structure. Les employés, les bureaux, les voyages, pour que ce soit un modèle pur. Alexandre démarche surtout les grosses entreprises. Il paraît que plus on est riche et plus on peut donner. Mais son but ultime est de démocratiser le don. Comme il se plaît à le dire, que le don devienne la norme. Dans 7 ans, notre objectif est que tu aies au moins une fois par jour la possibilité de faire un don positif. Et ça arrivera. Alexandre Mars est beau, riche, intelligent et passe son temps entre New York et Paris. Comment ça va, vous ? Sa vie est donc pas trop pourrie. Et en plus de ça, il est généreux et hyper détente. J'ai remarqué que vous tutoyez tout le monde, Alexandre Mars. Oui, Sandrine, je tutoie tout le monde. Bah, c'est comme ça que je suis, tu vois. J'essaie pas de... C'est que la première chose importante, c'est d'être vraiment qui tu es. Donc c'est ce que j'essaye de demander. Et vraiment tout le monde, t'as raison. Le quotidien d'Alexandre ralliait le plus de monde possible à sa cause. Ce matin, il rencontre les étudiants d'une école de commerce. Chaque personne peut donner quelque chose. Et après, soit ça peut être tes compétences, soit ça peut être 1% de ton revenu, soit ça peut être 1% de ton action. Ce qu'on veut dire là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, ça doit être partout. C'est le monde dans lequel on rentre, un monde qui doit être hyper social. Alexandre a créé EPIC, une structure qui se consacre aux autres et plus précisément aux jeunes de 0 à 25 ans nés du mauvais côté de la barrière. EPIC permet aux donateurs de tracer leurs dons et sélectionne pour eux des associations de confiance. Il y a une génération entière qui veut faire plus. Donc, et qu'elle soit américaine, française, anglaise ou thaïlandaise, elle se dit que ce qu'elle voit aujourd'hui au quotidien ne lui convient pas. Et que ce qui est génial, c'est qu'elle veut essayer de changer ça. Elle veut essayer de courber un petit peu dans la direction où on va le monde. C'est hyper positif. Et voilà ce que fait EPIC. On apporte des solutions pour que ça devienne ça une réalité. EPIC est une start-up philanthropique. Elle n'a pas de but lucratif. Alexandre y consacre la majorité de son temps. En parallèle, il investit dans des start-up comme Blablacar, Spotify et Pinterest. Ce que je gagne à travers mes investissements me permettent de financer EPIC. D'accord. Tu te souviens qu'EPIC est à aucun modèle économique puisque c'est moi qui finance totalement toute la structure. Donc si demain, toi ou toute personne qui regarde l'émission dit « c'est génial, j'ai envie de donner 1 euro, 50 cents d'euros ou 1 million d'euros », 100% de ta donation ou de ces donations iront aux organisations. Parce que nous, en fait, je finance totalement tous les frais de structure. Les employés, les bureaux, les voyages, pour que ce soit un modèle pur. Alexandre démarche surtout les grosses entreprises. Il paraît que plus on est riche et plus on peut donner. Mais son but ultime est de démocratiser le don. Comme il se plaît à le dire, que le don devienne la norme. Dans 7 ans, notre objectif est que tu aies au moins une fois par jour la possibilité de faire un don positif. Et ça arrivera.